Il y a quelques jours, nous fêtions la Saint-Valentin. Et pour rester dans le thème, nous allons parler d'un petit couple en enfer, Pluton et Proserpine. Archidiable et archidiablesse pour les démonologues, roi et reine des enfers pour les Romains. Pluton, fils des titans Saturne et Rhea, il gouverne les enfers et les morts. Il est représenté avec un air sévère, une barbe bien épaisse, un casque magique qui lui permet d'être invisible, un cadeau des cyclopes, plutôt stylé, assis sur un trône d'ébène, encore plus stylé, et tient à la main un sceptre noir, une pique ou une fourche. Il est accompagné par un petit animal domestique que nous connaissons tous. Si si, un petit chien très gentil, avec trois têtes. Oui oui, c'est bien Cerbère, le chien gardien de la porte des enfers. On n'en parle pas maintenant, mais bientôt vous allez voir. Il a également quatre chevaux, Aeton, Nycteus, Orphneus et Alastor. Hein, quoi? Alastor? Comme le démon? Intéressant. Avec ses frères, Jupiter et Neptune, ils ont renversé leur père, Saturne, et se sont partagés le monde en trois parties. Jupiter devint le dieu de la terre et des cieux, Neptune choisit la mer, quant à Pluton, il devint le dieu des enfers. Et on ne peut pas dire que c'était un dieu très très sympa. Alors oui, c'est un dieu qui fournissait la richesse de la terre, que ce soit en culture ou en métaux précieux, sauf qu'il ne répondait que très rarement aux prières des humains. Il s'en battait un peu les couilles. Du coup, bah, il n'était pas trop adoré, ni même aimé, par les femmes notamment. Du coup, le pauvre ne trouvait pas de compagne. Sniff. Du coup, mal viril qu'il était, il en a tout simplement enlevé une, sans pression. Il a donc enlevé Proserpine, la fille de Jupiter et de Cérès. Ne faites pas ça les gens, c'est pas parce que vous ne trouvez pas de chéri qu'il faut enlever des nanas. C'est pas bien. Proserpine était tranquillou, dans une forêt de Sicile, en train de cueillir des fleurs avec des nymphes. Et là d'un coup, il y a un grand barbu qui l'attrape et l'emmène en enfer. La joie. Une minute. Jupiter, c'est le père de Proserpine. Jupiter, c'est aussi le frère de Pluton. Du coup, Pluton, c'est l'oncle de Proserpine. Ça veut dire que... Inceste ! Il y a deux versions pour la suite de notre histoire. La première, Proserpine appelle à l'aide. À l'aide ! Au secours ! Un gros barbu est en train de m'enlever ! Sa mère la cherche partout, pendant 9 jours et 9 nuits, pour enfin la prendre de la bouche d'Apollon. Indignée, elle refusa de s'occuper des cultures de la Terre et supplia son mari, Jupiter, de faire quelque chose. Un accord fut passé entre Jupiter et Pluton pour que Proserpine revienne pendant 6 mois de l'année sur la Terre auprès de sa mère, permettant ainsi aux cultures de revivre. Oui, vu que la maman est contente. C'est ainsi que sont définies les saisons. Printemps-été quand Proserpine est sur Terre et automne-hiver quand elle est en enfer. Elle a donc un rôle important dans les saisons car son retour et son départ annoncent l'arrivée du printemps et de l'automne. Dans la deuxième version, Jupiter accepte de ramener sa fille auprès de sa mère seulement si elle n'a pas mangé de nourriture provenant des enfers. Bah putain, sympa le type. Sa fille se fait enlever et il accepte qu'elle revienne seulement si elle n'a pas bouffé. Moi je dis, c'est le père de l'année. Bon, et malheureusement pour elle, elle a consommé des pépins de grenade. Baiser. Bien que Pluton se soit trouvé une femme, il a quand même eu quelques amourettes à côté, mais qui ne se sont pas très bien terminées. Avec la nymphe Manté, qui a fini piétinée par Proserpine en colère, un petit peu hardcore quand même, mais Pluton, dans sa grande bonté, la transforme en une plante, la menthe. Oh ! Il y eut une autre nymphe, le C, qui finit transformée en peuplier blanc. Bon, à ce stade, vous allez me dire, ouais, cool tout ça, mais c'est histoire de démon, pas histoire de dieu romain. Mais attendez, voyons! Comme vous le savez, de nombreuses divinités sont les mêmes dans d'autres mythologies. Donc là, bah, c'est les mêmes histoires que la mythologie grecque. Donc là, Pluton, bah, c'est Hadès, Jupiter, Zeus, Neptune, Poséidon, Saturne, Cronos, etc. etc.
Oh, intéressant. J'aime beaucoup le parallèle entre les mythologies. Mais du coup, en démonologie, ça dit quoi? Comme je le disais au début, ils sont archidiables et archidiablesses. Ok, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Que ça dire que ceci? Bah, honnêtement, je sais pas trop. La plupart des infos que je trouve, ça vient de Donjons et Dragons, donc c'est pas fou. Je vois des trucs par rapport aux 9 enfers, mais à chaque fois, c'est même pas les mêmes, et ces deux-là n'y sont pas présents. Sinon, dans les traditions bibliques, il y a les archidémons, les équivalents démoniaques aux archanges. Mais voilà, je sais pas trop. Donc si vous avez des informations sur les archidiables et archidiablesses, je vous invite à mettre un commentaire. À part ça, Pluton est le prince du feu, gouverneur général du pays des flammes et surintendant des travaux forcés des damnés. Quant à Proserpine, elle est souveraine princesse des esprits malins. C'est ainsi que se termine cet épisode sur ce charmant petit couple. Je vous invite à mettre un like, un commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo, à venir regarder quelques pubs sur Tipeee et Utip. Merci à ceux qui le font, c'est très sympa. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.